gros, c'est une publicité mensongère. Booking ne veut rien savoir, ils nous ont proposé une indemnité de 25 euros, alors qu'on a payé 1000 balles pour 5 jours. Cette vidéo pour dénoncer une arnaque dont on a été victime avec Booking à Lisbonne. Je vais vous montrer les photos après, mais en gros on a loué un appartement insalubre alors que sur les photos c'était bien. Il n'y a rien dans l'appartement qui ressemble aux photos qu'on a vues, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de machine à la laver, enfin en gros c'est une publicité mensongère. Booking ne veut rien savoir, ils nous ont proposé une indemnité de 25 euros alors qu'on a payé 1000 balles pour 5 jours. Le propriétaire nous a envoyé chier en mode non, mon logement est très très bien, aucun problème. Du coup, je sais pas quoi faire. Si jamais vous avez déjà été victime de ce genre d'arnaque et vous avez réussi à trouver une solution, je suis preneuse parce que là c'est le premier jour et en vrai on en a déjà marre d'être. Alors ça, c'est l'état du canapé. Il y a des taches comme ça partout. J'ai même pas envie de savoir ce que c'est. C'est dégueulasse. L'appartement est insalubre. C'est sale, clairement. Pour le prix qu'on a payé, c'est honteux. Les matelas sont sales. Tout est sale. Je vais être obligée de passer mon temps à faire le ménage, en fait. La cuisine est dégueulasse. Il y a de la crasse partout. Là, c'est des petites trappes. Donc en gros, quand tu prends ta douche, les gens qui montent dans les escaliers te voient. Les placards sont complètement pourris. Tout est pourri. La cuisine est entièrement délabrée, cassée. Pareil pour les placards des chambres. Si vous voulez des photos des chambres, je vous en fais dans une partie 2. On n'a même pas de produits pour se nettoyer. Booking.com. C'est normal ça? Prends un avocat et porte plainte. Affiche-le et porte plainte. Et demande un remboursement.